Au programme du conseil municipal, il y avait assez peu de choses. Il y avait le préfet nous interrogeait sur notre accord ou pas. Enfin, en tout cas, il nous demandait notre avis sur la fusion des sous-préfectures de Metz-Campagne et de Metz-Ville, en tout cas des deux arrondissements. Le conseil municipal s'est prononcé contre pour plusieurs raisons. Une raison de forme. Il a lancé cette demande-là alors que la fusion, dans les faits, elle est déjà faite. Elle est déjà faite et elle est officieuse depuis 2005, puisque depuis 2005, la sous-préfecture de Metz-Campagne ne fait plus d'actes. Et puis, sur le fond, la sous-préfecture de Metz-Campagne, c'est quand même en population la deuxième du département. En surface, c'est la première. Donc nous, il nous semble, en tant qu'élus, qu'on a besoin d'un haut fonctionnaire du niveau d'un sous-préfet pour être l'animateur territorial de toute la gestion de la politique de la ville, de la politique au sens large et au sens ancien du terme, et d'être le relais des élus auprès des services des administrations centrales. Ah, donc c'est le premier thème, d'autres thèmes ? Alors après, oui, c'était des thèmes, essentiellement des thèmes de gestion de la commune, des modifications budgétaires, des choses comme ça, rien de fondamental.